forteresse de Svengard. Mon but. Les vrais guerriers vikings n'avaient que trop longtemps dépéri sous le joug de leur société, de leur clan, de leurs lois. Nous allions ouvrir leurs portes pour rétablir l'ordre légitime du monde. Très bien. Les loups dans la bergerie. Donc régénération, c'est cool. Ah, le retour de la sentinelle. La régène sera peut-être pas utile. Ah, égratignure, c'est quand même pas mal. Hein. J'avais des questions. Madame, pourquoi cette forteresse? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Ils se soutiennent mutuellement, comme s'ils n'étaient qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer? J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Ah, donc il va falloir faire avancer le bélier. Les catapultes ! Ne vous arrêtez pas ! Le scepticisme équivalait à la mort. Mais l'intégrité exige le doute. Ah, j'ai plus d'endurance. Merde. Je ne pouvais rien faire d'autre que protéger le bélier. Et prier. Vas-y, laisse-moi régénérer un peu. Ok, c'est bon. Ça va aller. Avancez au portail. Voilà, parfait. Nous étions en plein territoire ennemi. Alors, en volant l'ennemi, j'ai... Oui, ça, on sait les exécutions. Merci. Stoman. Oh, tu t'enfuis, toi. S'ils se replient en défense, on va les défoncer. Wow.
Voilà. Il a morflé le bélier un peu là. C'est chouquette. Protégez le bélier. Avancez. Putain, c'est chaud. Ah putain, j'ai eu du mal contre lui. Ils attaquent les servants. Foutez pas ce bol, s'il vous plaît. Qui c'est qui attaque ? Mais non, tout va bien. Le bâtiment va se tromper.
Ah, les archers de merde. Allez. C'est bon. Nous devions protéger le bélier et nous en servir pour enfoncer la porte. Ah, faut protéger la zone. Dame Ned. Allons, c'est bon. Bon. Il est coincé ? Astérix. Goodmunder, le légendaire chef de ce fort. Hey, fais pas le fou. C'est bon, je suis rentré. Relève-toi. Notre intrusion signait l'arrêt de mort des Vikings. N'était-ce pas la raison de notre présence? Des forteresses, j'en avais déjà assiégé. Alors pourquoi ce trouble? Merde, j'ai plus d'endu. Il va me buter. Il va me buter. Merde. Ah bon, on est effectivement un peu encerclé. Bon, bah tant pis. Ah, vous pouvez passer par là si vous voulez. Il y a la place. Voilà, je te tais. Du soin, ça serait quand même ultra cool. Mine de rien. Ah mais vous êtes là, vous. Les archers. Voilà. On nettoie un petit peu.
Ah, j'ai pas assez de vie pour un duel. Genre des loups. Ah. Prépare-toi à mourir. Ouais, ça va être chaud avec les loups. C'était. Ah, si tu veux te la péter. Allez, calmez-vous par contre. J'admire ta force, Woodmander. C'est chaud. Arrête, tu vas te faire tuer, Jackie. Croyez vraiment que vous pouviez faire quelque chose ? Je sais maintenant ce qui me hantait alors. Alors ça a l'air hyper brouillon, mais ça l'est pas vraiment en fait. Hein. C'est plutôt hyper tactique. La guerre comme à la guerre. On essaie de trouver une ouverture et on l'exploite. C'est ici que nous combattrons. C'est complètement un village en fait. Ouais, c'est complètement un village. On est en train de saccager un village. On est d'accord. Ah ouais, ça c'est des civils hein. Yeah!
au combat. Va donc en enfer. Pitié. Qu'est-ce qu'on fait là ? Non, c'est merci. Mais oui, ça veut dire pitié. Ils ont traduit. Tu le sais très bien. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autres récoltes. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. J'ai juré de combattre pour la paix. Toi aussi. Vous tous. C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout ? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions ? Ils mourraient de faim. Ils s'uniraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer.